Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sankulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le Starter Pack qui est disponible sur Fortnite depuis aujourd'hui à 2h du matin. Donc regardez le Starter Pack, il est juste ici. Hop, c'est le Starter Pack qui s'appelle Intrusion Numérique. Donc avec ce pack, vous avez 600 V-Bucks, la tenue Zoé Clash, l'accessoire de dos Sergent Shiba, la pioche Bim et Bam, le revêtement autocollant. Donc vous pouvez le voir sur l'image en haut à gauche, sur la petite image, les accessoires qu'on peut débloquer, donc le skin, le revêtement, la pioche, le petit sac à dos et les V-Bucks. Et tout ça pour 4€ sur Fortnite. Donc j'ai déjà remarqué un truc avec ça, c'est hallucinant parce que en vrai en Amérique il coûte 4$ et en Europe, ben, là où il y a l'euro, ben, il coûte 4€. Et en vrai... c'est dégueulasse parce que 4$, c'est équivalent à moins de 4€. Donc, il devrait faire une petite conversion, on devrait le payer 3€, 3,50€. Non, je rigole. Mais en tous les cas, c'est pas très très cher pour l'offre. Parce que ça vaut le coup, hein, 6€. Pour 4€, vous avez 600 V-Bucks. Donc, déjà, 600 V-Bucks, ça vaut 6€. Enfin, plus ou moins. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors, pour obtenir ce pack, comment faire? C'est très simple. Bah, si vous êtes sur PlayStation 5, vous allez en dessous de l'affiche de Fortnite, donc vous allez sur Fortnite, vous descendez et boum, il est directement à l'actualité, donc il restera à l'actualité pendant un certain temps. Donc quand il ne le sera plus, même sur PS5, pour le retrouver, il faudra aller dans le PlayStation Store, ensuite aller dans Recherche, là vous allez taper Fortnite, comme ceci, voilà. Ensuite vous allez sur la page de jeu de Fortnite, c'est pareil sur PS4 aussi, hein, si vous êtes sur PS4. Et sur PS3, je sais pas s'il y a Fortnite en vrai. Mais en tous les cas, sur PS4, c'est pareil. Vous tapez Fortnite dans le PlayStation Store dans Recherche. Vous allez sur le jeu Fortnite. Ensuite, vous descendez tout en bas. Et normalement, voilà, dans les extensions, il y a le pack Intrusion Numérique que vous allez pouvoir acheter. Et tous les autres packs, si y en a d'autres qui vous intéressent. Donc voilà comment accéder au pack. Après sur Xbox, je suppose que ça va être pareil, hein, c'est exactement la même chose je pense. Et sur PC, bah, il suffit juste d'aller dans la boutique d'Epic Game Store, taper pack intrusion numérique et je pense que vous pourrez le trouver facilement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sankulo Mike et ciao. Peace.